Eh ben, je me rappelle encore de ces jours comme si c'était hier, et c'était sur une plage hein, que j'avais fait ma demande. Et voilà quoi, je mets le package, la bague et tout, le genou à terre, un vrai bouffon quoi. Donc. Hey yo yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Écoute, moi ça va à merveille. Je suis très content, très heureux de tomber encore une fois sur vous dans cette nouvelle vidéo Story Time. Carrément, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un tout petit peu, j'ai envie de dire, hein, de mon histoire, de ma rencontre avec ma femme. Et de l'acheminement, on va dire, hein, de toute cette histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc voilà, famille, avant d'aller beaucoup plus loin, s'il vous plaît, je vous demande à me laisser de likes, de commentaires et à partager hein, la vidéo si elle en vaut réellement la peine, famille. Votre soutien, à savoir, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grand pour moi déjà. Je compte sur tout un chacun de vous. On passe à l'intro et on revient tout de suite après. Let's go! Eh bien, écoutez, famille, en ce qui concerne ma rencontre avec ma femme, c'est une histoire un tout petit peu compliquée à la fois et qui décèle bien plus, on va dire, hein, de zigzags. Mais vous arriverez à la fin à mieux comprendre où je vais réellement en venir en disant ça. Eh bien, écoutez, quand je suis arrivé ici en Russie, hein, ce fut en 2016 déjà. Eh ben, je me suis intégré rapidement. Au bout de 3 mois, de 4 mois, j'arrivais déjà à parler la langue. Je suis passé par les étapes habituelles, bien évidemment, c'est-à-dire le cours, apprendre le base de la langue, apprendre à mieux articuler, on va dire, hein, à mieux parler, à mieux, j'ai envie de dire, conjuguer certains verbes, apprendre certaines prépositions, certaines également formes, également hein, grammaticales et tout, de la langue russe, bien évidemment. Et ben, au bout déjà, j'ai envie de dire, hein, de 3 mois, soit de 4, comme je l'ai dit tantôt, eh bien écoutez, je suis arrivé à tisser de liens, à faire connaissance avec pas mal de personnes déjà, mais je ne m'y retrouvais pas totalement. Je ne m'y retrouvais pas totalement. Je me disais, mais bon, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Et que je me cherchais encore par rapport à l'amour, je ne voulais pas non plus me précipiter. Alors je passais par des histoires, par de petites, on va dire, hein, amourettes et tout. Eh bien écoutez, famille, cela est allé très très vite. Au bout déjà de 2 mois, j'ai rencontré celle qui devait être ma femme. Au bout déjà, alors déjà de 2 mois, en côtoyant bar, lounge bar, boîte de nuit et tout, et ben sont là le lieu de rencontre carrément ici en Russie, puisque j'ai parlé, on va dire, hein, de la drague, je parlais de la connaissance qu'on peut nécessairement faire avec une fille dans une vidéo drague qui apparaîtra certainement, alors certainement. Tellement là ou là, ça dépend de la subjection. Donc voilà, vous aurez ça, faites un tour, ce sera quelque chose de bien aussi. Et ben écoutez, je me suis tamponné avec elle hein, dans ces genres d'endroits-là. Très vite, nous avons tissé une relation. Bon, ben ce n'était pas totalement amical, mais c'était quasi, j'ai envie de dire, quasi amical, quasi physique. Et ben au bout déjà de 5 mois, je sentais que l'histoire commençait à prendre forme et personnellement, je m'étais déjà emballé, on va dire, combien même je m'étais promis de ne pas me laisser aller, de ne pas me laisser embarquer dans n'importe quelle histoire d'amour. Question de mieux me positionner, question de mieux me concentrer sur l'essentiel, et ben, je n'ai pas tenu à ma promesse, hein, et j'ai failli. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je m'étais laissé également emporter par elle, emporter par le vent de l'amour. Hein. Vous savez comment ça se passe? Et ben, au bout déjà, j'ai envie de dire, hein, de 8 mois, donc après 3 mois carrément de cette relation assez sérieuse déjà, je commençais hein, à réfléchir hein, par rapport à un éventuel plan pour mieux bâtir un avenir avec elle ensemble. Et bien sûr, je me voyais tranquillement avec elle. Et ben, au bout de 2 mois, on a tout organisé et puis elle a été d'accord. Au bout de 2 mois, je fais ma demande. Et ben, je me rappelle encore de ces jours comme si c'était hier. Et c'était sur une plage hein, que j'avais fait ma demande. Et voilà quoi, je mets le package, la bague et tout, le genou à terre, un vrai bouffon quoi. Donc.
Bref, je fais ma demande tranquille, je répétais deux, trois phrases. Et ben, ça a été beaucoup plus rapide, j'ai envie de dire, hein. C'est à quoi je m'attendais. Elle a sauté sur moi, et ben, bisous et tout, vous savez comment ça se passe en ce moment-là. On est face, hein, à soi-même et on se pose la question, si c'est un non, je ferai comment? Il y a tellement de questions qui se bousculent, on va dire, dans la tête. Et ben, au bout de compte, elle a dit oui, elle a dit oui, et ben voilà quoi. Et en ce moment-là, je suis devenu officieusement son fiancé, et puis l'histoire est partie dès là. Et on a organisé notre mariage au bout déjà de 3 mois. Tout était carré, tout était bon. Et ben, je n'ai pas voulu que ce soit beaucoup plus extravagant. J'ai voulu qu'on conserve quelque chose de beaucoup plus platonique et simple d'ailleurs. Que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans genre fête, genre réception et tout et tout. Je voulais simplement quelque chose d'assez simple, on va dire, en famille, quelques amis, connaissances, surtout de son côté, parce que du mien, je ne voulais vraiment pas, j'ai envie de dire, hein, que telle ou telle personne s'est présente là, parce que je ne voulais pas, on va dire, nager dans tout ce que les autres faisaient. Enfin, j'ai eu quand même à faire une petite analyse, voir un peu comment ça se passait, hein, comment les autres ont procédé pour organiser telle ou telle autre, on va dire, hein, cérémonie ou célébration. Je voyais un tout petit peu une petite exagération dans ça. Je me suis dit, non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faudra quelque chose de simple. Et nous nous sommes tenus à ça. Nous avons réalisé quelque chose d'assez simple et d'assez intime. Juste quelques amis, hein, quelques bons amis surtout, hein, de son côté, de sa famille, ainsi que voilà quoi, sa famille à elle, tout entière, j'ai envie de dire. Donc nous étions quelque part et tout, on a célébré ça en famille dans l'intimité complète, et puis c'était merveilleux. Et ben, au bout déjà de 2 jours, j'ai aménagé ensemble avec elle, normal, dans un appartement, j'ai envie de dire, hein, 42 mètres carrés déjà. Nous avons passé 2 ans de vie commune ensemble, ça a été torride, ça a été merveilleux, famille. Je ne vous cache rien absolument, et je mentirai en vous disant que tous ceux-là qui ambitionnent ou tous ceux-là qui veulent s'élancer dans cette histoire, mariage et tout. Eh ben, je ne vous décourage pas. Il faudra bien les faire. Si vous sentez que vous serez capable, on va dire, de telle ou telle autre chose et que vous serez en même d'endosser cette responsabilité, je ne vous cache rien. Il faut le faire, puisque c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. En ce qui me concerne, famille, j'étais tellement, alors tellement heureux à la fois d'avoir réussi carrément, hein, à sauter le pas, d'avoir pu, on va dire, mais j'étais à l'eau. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la demeure la meilleure de résolution que je prise, on va dire, hein, de toute ma vie. Enfin, du moins celle-ci. Donc voilà quoi. Et ben déjà, c'est qu'il faudra savoir, hein, le bien dans une union interraciale et la compréhension, les échanges, de petits secrets, de petits plans, des petits projets, c'est très bien. Enfin, dans tout le couple, ça existe, mais c'est beaucoup plus ancré, on va dire, hein, dans le couple interracial, parce que j'ai envie de dire, le conjoint sont butés à tel ou tel autre problème d'acceptation, à telle ou telle autre contrainte également, hein, comme quoi le regard des autres. Il y a tellement, tellement de facteurs également connexes que je n'aimerais pas aborder pour ne pas vous décourager, mais il y a tellement, alors tellement de choses qui se passe, on va dire, hein, dans le couple interracial, qui ne se passe pas forcément dans le couple, j'ai envie de dire, normal, soit des Africains entre eux, soit de Russes entre eux, et puis voilà. Ici, là, déjà, il y a une petite forme de racisme, on va dire, un peu caché, j'ai envie de dire, qui est témoigné au loin et un tout petit peu étouffé aussi. Quand tu fais ton entrée dans une famille russe, j'ai envie de dire, par le biais du mariage, tu as une place beaucoup plus, j'ai envie de dire, hein, spéciale à toi, quand bien même il y aura de pics de temps à autre, mais bon, ça fait partie, on va dire, hein, du deal, je le dis ainsi. Donc, oh, voilà. À savoir déjà, nous sommes dans un pays où le racisme, on va dire, hein, est toujours d'actualité, pas aussi visible que ça, mais ça existe, on va dire. En ce qui concerne le couple interracial, il y aura toujours de regards un peu malveillants, il y aura toujours de commentaires, il y aura une certaine appréhension par rapport au projet, par rapport à la vie, on va dire, hein, de l'homme surtout. Et du moins, c'est lui-ci, hein, s'il a la peau foncée, il sera vraiment, alors vraiment, j'ai envie de dire.
j'ai envie de dire, beaucoup plus surveillé, beaucoup plus scripté, j'ai envie de dire, pour sonder un tout petit peu ses plans, s'il ment, s'il ne joue pas un rôle. Il y a tellement, alors tellement, ces genres de choses qui se passent déjà dans le chef de quelques membres de la famille, de son épouse déjà. Donc ça se passe réellement ici. Eh bien écoutez, au bout déjà de quelques temps, si toutes les étapes à franchir sont bel et bien, on va dire, franchies avec succès, et c'est en ce moment-là que tu n'auras pas de soucis à te faire. En fait, c'est que moi personnellement j'ai remarqué et que lorsqu'on se retrouve dans une famille russe, on se doit impérativement de prouver qu'on est véridique, qu'on est sérieux, qu'on est ceci, qu'on est cela, pour essayer d'embellir son image, pour essayer de préserver également l'image de tout le noir, puisque il y a tellement de préjugés comme quoi le noir se marie simplement pour un but et fin de fin ils finiront par quitter, on va dire, la Russie pour aller voir ailleurs et délaisser, on va dire, leurs épouses ici, là, et qu'ils ne sont pas assez sérieux en matière d'amour et tout et tout. Il y a tellement de préjugés, c'est à ça qu'il va falloir vous attendre une fois vous aurez nécessairement à vous mettre dans une relation avec une femme russe ici, là, en Russie. Donc voilà. En ce qui concerne le bienfait du mariage, je ne cesse pas de vous le répéter, le mariage donne la possibilité d'avoir une résidence temporaire. Au bout déjà d'un mois, vous pouvez déposer vos documents et au bout, j'ai envie de dire, des 6 mois, vous aurez la possibilité d'avoir votre première résidence temporaire. En fait, ça change un tout petit peu, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Il y a certaines personnes qui m'ont confirmé qu'actuellement, vu, on va dire, l'évolution de loi, c'est de 3 mois maintenant. À l'époque, moi, j'ai attendu pendant 3 mois, mais alors que c'était 6 mois. Vu que c'était une petite exception et tout, je mets ça dans un coin, donc voilà, quoi, et je ferme la parenthèse. Et au bout d'une année déjà, vous aurez déjà la possibilité d'avoir votre résidence permanente familiale, ce qui est une bonne chose. Et ben, au bout d'une année ou de quelques temps déjà, si vous avez un enfant, vous aurez la possibilité de déposer vos documents pour faire la demande pour la nationalité, donc pour avoir leur passeport et puis devenir un russe à part entière. Donc voilà, sont là le bienfait du mariage. Et ben le bienfait du mariage sont multiples et variés. Et ben moi, ce que je pourrais vous dire est que tous ceux-là qui ambitionnent réellement de se marier, de se lancer dans cette aventure, il faut réfléchir à 2 fois déjà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours l'éclate, c'est une lourde responsabilité. Et déjà, le mariage, c'est une union, on va dire, de personnes matures. Quand tu n'es pas assez mature, quand tu n'es pas suffisamment aguerri, tu risques réellement de tout gâter et surtout de te comporter un peu bizarrement, que ce soit dans la relation à l'égard de ton épouse, soit de ton époux. Et sur le plan relationnel, tu risquerais réellement de taper à côté, de tout gâter. Donc, il faut être aguerri, il faut être réellement, j'ai envie de dire, beaucoup plus mature pour accepter déjà, on va dire, de se lancer dans ça. Mais si c'est pour un but quelconque, alors je serai mal placé pour vous juger. Faites ce qui vous semble bon et normal. Je vous conseille réellement de mieux réfléchir puisque c'est ce que moi j'ai fait avant de me lancer. Ce qui m'a poussé à me lancer, c'était le besoin carrément de me stabiliser, de mieux voir la vie, on va dire, différemment, de faire un bon bout de chemin avec une personne que j'aime et de recevoir de l'amour inconditionnel et inébranlable de sa part. Donc voilà. Et bien, famille, au bout déjà de 2 ans et demi de vie commune, nous sommes décidés de mettre fin à cette relation suite aux innombrables, on va dire, péripéties, problèmes que nous avons connus, dont je vous épargne, puisque c'est de ma vie privée d'ailleurs. Et bien, j'ai certainement voulu partager avec vous ces petits bouts, on va dire, d'histoire pour vous mettre simplement dans l'ambiance et surtout pour informer aussi toutes personnes qui ont su autrefois et qui savent que je suis marié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ben excusez-moi de vous le dire comme ça, je ne le suis plus. Après cette séparation déjà, on a observé, on a essayé de recoller le morceau, ça n'a pas marché. Et ben de mon côté à moi, je me suis senti, on va dire, en même d'aller voir ailleurs et puis de ne pas tourner autour du pot.
elle pareil. Nous nous sommes concertés et puis au jour d'aujourd'hui, je suis libre de tout mouvement, je suis redevenu, on va dire, célibataire et la rupture a été entamée ainsi que le divorce et tout, finalisé dans le moindre détail, donc tout est carré, tout est bon. Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle un tout petit peu, on va dire, hein, pas heureuse, heureuse du tout, mais j'ai bien voulu partager cela avec vous pour mettre quelques personnes qui me suivent, on va dire attentivement, d'accord par rapport à mon histoire. Pour ne plus qu'il y ait des questions à répétition concernant ma relation, concernant, on va dire, hein, mon ancienne épouse et tout, à savoir l'histoire a tourné court. Au jour d'aujourd'hui, je suis seul, je refais ma vie à nouveau, donc ne vous inquiétez pas, tout est devant, tout est bon, tout est carré d'ailleurs. Pour tous ceux-là qui ne le savaient pas, maintenant, vous le savez. Donc, voilà, family. Pour tous ceux-là qui aimeraient se lancer dans le mariage pour telle ou telle autre raison, réfléchissez bien avant de vous lancer dans cette union déjà. Puisque je l'ai dit, il faut être aguerri, il faut être mature, on va dire, puisque le mariage demande une maturité accrue. Tout partager avec son partenaire, tout faire, on va dire, pour le bien de son ou de sa partenaire, c'est quelque chose, on va dire, de très, très important. Soyez beaucoup plus préparé par rapport à ça. Après, ça dépend de vous. Si vous vous mariez pour avoir de papier, eh bien, libre à vous, je ne juge personne. Ce qu'il faudra savoir est que le mariage en Russie donne le kaolo, comme le Camerounais le disent, donne le papier, la résidence permanente, la résidence temporaire, ainsi que la nationalité, comme ça se passe d'ailleurs partout dans le monde. Donc, voilà, famille. Eh bien, c'est fini ma petite histoire, hein, la petite story time. Donc, voilà. On se retrouve certainement dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vimaouete. Portez-vous bien, portez-vous bien. Me veux le meilleur à tout un chacun, famille. Et joyeux Noël à vous surtout. Et écoutez, family, s'il vous plaît, protégez-vous. Masque, distanciation sociale, je ne cesse de le répéter puisque c'est important. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Ciao.